Barry ? C'est bien ça, non ? Qui c'est ? C'est V ! Le voisin du dessus ! Vous vous souvenez ? On avait parlé bagnole ! Vous aviez dit que vous aimiez la Mizutani Shion. Et moi, j'ai dit que c'était une caisse de frimeur. Ouais. C'est pas le genre de truc qui s'oublie, hein. Vous auriez vu votre tête. J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Je m'en souviens. Vous voulez quoi ? Je voulais voir si ça allait. Vos amis m'ont dit que vous restiez cloîtrés chez vous. Je crois savoir pourquoi. J'ai déjà vu ce regard. C'est typique des gens comme nous. Comme nous ? Vous m'avez pas l'air d'être flic. Y a pas que chez les flics qu'on meurt. Dans mon boulot, ça arrive tous les jours. On croit qu'on est habitué, jusqu'à ce que ce soit un proche. Alors, vous aussi ? Entrez. J'ai perdu un proche, moi aussi, il y a pas longtemps. Un super pote. Comment ça, moi aussi ? Attendez, c'est à cause d'Andrew ? Il vous en parlait de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Le NCPD, ça va pas en s'améliorant, pas vrai ? Une fois, un Maelstromer a descendu un gamin sous mes yeux. Comme ça. Juste pour se marrer. J'ai rien pu faire. Cet enfoiré avait une immunité corpo. Saloperie. Le capitaine a reçu un don anonyme, et vous devinez la suite. D'après le rapport, le gamin s'est tiré dessus tout seul. Juste sous vos yeux. Je suis mort à l'intérieur depuis ce jour-là. J'arrivais plus à rien. Et quelques mois plus tard, quand Andrew est mort, c'est parti en vrille. Vous pouvez vous confier à personne au commissariat ? À Petrova, à Mendez ? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendez, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est que t'es une fiotte. C'est ça qu'il dit. Mais vous lui avez parlé d'Andrew. Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis, ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Et Andrew, il est mort comment ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De vieillesse ? C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. De vieillesse ? À Night City ? Faudra lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Une urne dans une niche, c'est bien suffisant. Donc pour vous, Andrew était plus un grand-père qu'un ami ? Oh, j'irai pas jusque-là. Il était comme... je sais pas... Une fenêtre sur le passé, un truc comme ça. Il me rappelait mes grands-parents. Nos discussions. Un temps où chaque chose avait sa place. Il était le dernier souvenir vivant de cette époque. Mendez, il connaît rien à la vie. On a tous nos limites, même lui. C'est juste que lui, il les a pas encore atteintes. Et s'il avait raison ? Peut-être que je suis faible, finalement. C'est vrai, il y a que les forts qui survivent. Si vous aviez rien ressenti à sa mort, alors sa vie aurait eu aucun sens. Ouais, peut-être. Merci, V. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Ça marche. À plus tard.